un peu. Voilà. Vous nous a tous les deux. Bon, allez-y, on y va. Bonjour. Ouais. Bonjour à tous. Nous sommes ce matin sur le marché de Tarbes, sur la Marcadieu, à la rencontre de la population tarbaise et même au-delà, puisque ce marché draine au-delà de Tarbes et même de l'agglomération tarbaise, ça draine une bonne partie du département, comme on le constate dans nos discussions avec les usagers du marché. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la campagne, toujours pour jusqu'au bout diffuser nos idées, nos convictions, nos propositions, et en particulier cette idée selon laquelle il ne peut pas y avoir au Parlement demain que des députés le doigt sur la couture du pantalon, des députés obéissants, disciplinés, monolithiques, qui voteront tout ce qu'on leur proposera parce que parce qu'ils croient en un maître suprême, en disant qu'un député ça doit être loyal vis-à-vis du président de la République, et nous le serons, parce que nous souhaitons que le quinquennat qui vient soit un quinquennat de réussite, mais nous serons des députés libres et vigilants, des sentinelles vigilantes qui sauront dire le non quand des menaces sur le progrès social ou sur la cohésion sociale se feront jour. Voilà, nous serons des soutiens à chaque fois que ça sera constructif, des soutiens du président pour réussir son quinquennat, pour que la France avance, mais des soutiens vigilants, des sentinelles libres et vigilantes. Voilà, c'est le thème de nos derniers jours et nous avançons avec beaucoup de détermination. Notre circonscription mérite mieux qu'une vague qui va aller lentement sur une plage hypothétique de sable blanc. Elle mérite un gardien de phare vigilant, un gardien de phare solide, bien ancré sur la terre pyrénéenne.